avec votre véhicule ou on vous compte dans nos véhicules à nous ? Gouverneur, tu veux être en sécurité directement avec les agents ou pas ? Non, ça m'importe, hein. C'est vous et moi qui sais si vous savez ce qu'il y a de mieux pour moi. Ouais. Bon, ben vas-y, tu montres avec moi. Donc oui, je rentrerai dans le convoi avec le véhicule. Très bien. Enfin. Limousine ou le XS ? Non, j'ai un autre véhicule là pour... Monsieur le gouverneur, si vous aviez des choses à dire aux agents, ils sont prêts et à votre écoute. Très bien, bah j'y vais. Voilà, pour y aller. Au repos. C'est bon ? Alors, c'est un plaisir de pouvoir parler enfin en face de vous tous, hein, parce que hier, on s'était vus, mais vous n'étiez pas tous présents. Donc, ce soir, nous allons mener une opération dite caritative, pour la bonne cause, dans, comme j'aime bien les appeler, les ZA. Les ZAR, les zones à risque. Donc, comme vous le savez, vous êtes plus conscient de moi du risque des favelas, hein, surtout pour ce qui va être annoncé. Nous allons devoir vacciner tous les favelois contre le sida parce qu'il y a maintenant un remède qui a été trouvé. Les EMS vont venir nous accompagner sur cette opération. Après ça, nous ferons une distribution de nourriture pour tous les vaccinés. Mais avant vaccination et distribution, je vais tenir un discours leur rappelant de se recenser car c'est assez important. Ils ne se sont pas assez recensés et l'immigration ne cesse qu'abusive dans les favelas. Les favelois et les faveloises vont comprendre que le gouvernement est avec eux et pas contre eux. Nous sommes leurs amis. Par la suite, si vous aussi vous souhaitez vous faire vacciner par le sida, pas contre le sida, vous pouvez tester les remèdes qui ont été approuvés par mon laboratoire. Avez-vous des questions ? Question. Oui, moi j'ai une question. Moi je vous écoute. Mais moi je pourrais me faire vacciner pour le sida ou pas ? Parce qu'en fait je l'ai déjà, comme ça si je me vaccine, je l'ai plus. Très bien, alors vous verrez ça avec les EMS. Ouais. En attendant, merci. Moi je m'attends à une sécurité sûre. Parce que je connais les rumeurs qui circulent à mon sujet. Les favelois ne me connaissent pas et risquent de directement mal prendre ma venue. Donc je compte sur vous. Et sachez que ma sécurité est vraiment plus que prioritaire. N'hésitez pas à user de vos armes létales. Je sais pas. C'est reçu, monsieur le gouverneur. Vous inquiétez pas, le SPI répondra toujours de manière proportionnelle suite à une attaque. Merci beaucoup. Votre téléphone derrière. Pardon, monsieur le gouverneur. Voilà. Si vous voulez des questions, je suis prêt à vous répondre avant qu'on nous parte. Moi, je pense. Du coup, messieurs, petit briefing, d'accord, de ce qu'on va faire avec le capitaine. On vous a dit que vous allez répondre de manière proportionnelle. Si vous voyez des armes létales, n'hésitez pas à prendre vos armes létales, d'accord. On part du principe où tout le monde a la matraque au début. Si ça dégénère, vous voyez ne serait-ce qu'une arme, vous prenez vos armes létales, d'accord. On va, comme on va faire, tous être en centre de bloc, ok, pour rentrer et escorter les deux convois. Le gouverneur veut donner des vaccins et de l'aide à ces personnes. Donc on fait attention à ce qu'ils ne pillent pas les pounders, ok. Donc on fait attention. Tout le monde sera avec son la dame partenaire, donc un officier avec lui. Donc pas de débordement, d'accord, et vous suivez les calls. Personne ne prend d'initiative, vous écoutez vos supérieurs et tout se passera bien. C'est bon pour vous ? Merci. Oui. Oui, mon grand. Parfait, super. On va voir le protocole qui a été mis en place par vos sergents et on vous tient au courant. Du coup, je sors encore un peu. J'ai pas. Bon. Ok. Sur ma mère qui me chauffe dans les favelas. Je vais mettre là. C'est les véhicules remplis, c'est ça ? Ça c'est les... Oui, c'est voilà, les captars, les camions. D'accord, ok. Je vais regarder ce truc là. Chargez-les bien. Tu les as bien chargés ? Ouais, c'est bon, y'a de l'eau, la nourriture. De l'eau et tout. Ils vont être contents, ça fait plaisir ça. Bah ouais, voilà quoi, ils sont vaccinés et pop, ils récupèrent la nourriture. Ah, puis au moins, ça évite les... Vous prenez les camions, les mensonges qu'il y a à votre rencontre, quoi. Exactement, bah oui. De toute façon, on est là pour vous protéger, comme dans le cas. Gouverneur et Evan. Vas-y, parfait. Les gars, vous conduisez tranquillement, vous essayez de pas de tamponner. Ah ouais, c'est vrai. Mais après, ils nous ont braqué, ils nous ont pris l'argent, je suis sorti un slip. Mais en fait, les deux collègues, on était en slip, moi, ils m'ont enlevé le caleçon. Après, ils se moquaient de moi. Ouais, mais non. Pourquoi ils se moquaient de toi? Parce que j'ai trop un gros bazooka. Vraiment? Ok,
C'est moi qui attends, on se mettra pas sur la route pour replacer le convoi tant que les MS arrivent. Ouais, on y va. Oui, là, monsieur le juge. On va avancer 200 mètres, d'accord, pour juste le replacer. Allez-y. Ça va et vous? Je vous laisse la radio. Ça va, écoutez, j'ai un de vos agents qui est venu nous voir, qui a été licencié. Allez, oui, il a été licencié, oui. Bien, d'accord. Donc, on prend l'entraînement sur place. Parfait. Donc, je voulais vous voir quand vous aurez le temps pour discuter de ça. Bah, écoutez, on fait la descente favelas avec le gouverneur et je vous rappelle, ok? C'est pas urgent, il faudra qu'on se voit, même si c'est pas aujourd'hui, il faudra qu'on se voit à ce sujet, quoi. Ok, ça marche. Bah, je vous appelle tout à l'heure. Pas de problème, bonne soirée. Alors. Mesdames, messieurs, du coup, actuellement, on a donc 5 véhicules de police. Donc, si on se fait taper, on fera un protocole en triangle, d'accord? Donc, 2 véhicules derrière qui bloquent, 2 véhicules devant qui bloquent. Salut, Loan. Et arc de 5 autour du Pounder. C'est bon? Bien reçu. Et un métal à la main, évidemment. Bah, les favelas sont plus au même endroit que d'habitude. Hein. Ils sont dans le nord, je crois. Ça ouais, côté. Tu rentres côté. Merde, je sais plus. Bah, en fait, faut que. Ah oui, ok, non, j'ai capté comment on va voilà, faire. Voilà, tu vois là, je te mets le point. On va monter jusqu'à Gino Rose, oui, non, mais je sais, oui. Bah, ah oui, oui, ok, là, non, bien. Là, je te mets le point. Pas besoin de monter jusqu'à Gino Rose. On attend plus que les médecins. On attend plus que les médecins pour démarrer, messieurs. On est compte que l'agent qu'on a licencié, il a été porté plainte, hein. Qui? Pour qui? Le 93, là. Ah oui, bien. Ah oui, mais. Ouais, non, ça lui fera la bite, surtout qu'il balance des infos confidentielles, à l'illégal. Justement, j'ai hâte d'entendre pourquoi. Comment t'es tout ça? En gros, c'est lui qui a balancé l'adresse de 118 et l'adresse d'autres agents au Starios. On l'attaque qui, hein? J'imagine la mienne qui est compromise. Je passe à radio MS, je vais faire une backup. Le gouverneur m'a dit qu'ils étaient en route. Je sais pas si ça arrive vraiment, mais... 37 à radio MS, du coup je vais faire une backup pour le convoi vaccination du gouverneur. Bah, t'as des grenades BZ au cas où, 04? Non mais je peux pas t'avoir tapé, hein. Capitaine, tu as vu même quand il descend comme ça, En vrai ça serait une bonne idée les BZ quand même. Ou même un beanbag. Un beanbag, on n'a pas été encore livré. Pas encore été livré. 37, tout au gouverneur. Messieurs, on n'attend pas les médecins? On attend les PME. Ok, gouverneur, on y va. Attendez pas. Ah, ok, let's go. Il a raison, il avait dit 30, il dit 37, on y va. Oui. C'est départ qu'on voit, on y va. Je répète, n'oubliez pas les pochards en code 3, s'il vous plaît, messieurs. Vous nous suivez, d'accord? Sécurité maximum, il y a le gouverneur avec nous. Mesdames, du coup, on va prendre de la place, on va se mettre en plein milieu de la voie. Donc les camions, vous restez au milieu et le reste, vous mettez à côté. Ini nandao, nandao. On rappelle qu'un convoi ne s'arrête jamais, donc on reste tous à allure modérée, s'il vous plaît, et ne freinez pas. Elle est limitée là, 37? Harper? Ouais. Non? Si, si. Incroyable. Ah, je vais mettre un petit peu de temps. Je prends 10 là. Ok, on passe à 100, messieurs, vitesse réglementaire. Salut, Wankil, ça va quoi? C'est bon, là je suis à 100. J'ai peur de remettre une petite distance quand même à 100. Non, tant que lui il prend de la vitesse, après c'est bon, t'inquiète. Ouais, ouais, t'inquiète. Allez, je vous mets tout d'un, on va se mettre bien au milieu de la freeway et on va prendre la première sortie juste après la sortie barrage. Attention, véhicule des dames devant, messieurs, anticipez, vous n'allez pas les taper dedans. J'allais le faire. Incroyable. Super rapide. Hein. Merci Nathan, t'es un crack, merci mon ref. Salut Chachou. Un accident derrière. Véhicule qui a tapé, on va ralentir un tout petit peu. On ne s'arrête pas, mais on ralentit. Laissez de l'espace. Messieurs, dames, la voie est assez serrée donc on va se mettre en ligne. Ok, vous laissez passer les deux camions et après vous mettez derrière nous et on se replacera dès qu'on sort. Ok. On peut faire une petite annonce, non? On est arrivé. Ouais, Pierce il l'a déjà fait. On l'a fait, ouais. Ok, parfait. Vu qu'on est arrivé, la police.
Après, je crois que le gouvernement, ils ont déjà fait des annonces aussi. Ok, hein. Messieurs, dames, on va arriver au niveau des favelas. On va se replacer en ligne. Le SUV qui est le plus proche de moi, tu vas passer juste derrière moi, devant le camion. Dès que tu peux, bien évidemment. Te mets pas en accident avec ça. Descente, favelas. Odan, incroyable. Oh bah. On ralentit, il y a un camion qui a tapé. Parfait. Vous êtes parfait là comme ça. Allez, on rentre dans les favelas. Les véhicules qui sont devant et derrière vous bloquez, s'il vous plaît. Et on coupe tous les codes 3, on garde que les lumières. Allez go. Ah par contre je sais pas où il veut se placer, moi je suis jamais venu ici. Je vais monter directement tout en haut pour bloquer. J'ai mal à la tête. Ouais t'inquiète. Ah bah à mon avis c'est ici. Messieurs, on stoppe le convoi, ils ont bloqué la route, on se stoppe là. Dès que tout le monde est en place, on effectue un pied à terre, vous demandez au gouvernement de rester en sécurité s'il vous plaît, ça sent à l'arrière. Eh messieurs, on descend. Allez, pied à terre, matraque tout ça à la main. Un matraque sauf nous, hein. Capitaine, pas de matraque. Mettre couvert derrière vos portes de véhicule, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, messieurs, dames. Voilà, voilà. Comment allez-vous? Allez, tout le monde sort à point, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Comment dire? Quoi? Moins bien, là. Pourquoi moins bien? Comment bien évidemment, les forces de l'ordre sont ici ce soir, car le gouverneur voulait prendre la parole et voulait venir vous voir. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de... On vient pas dans une démarche agressive, mais plutôt dans une démarche positive. D'accord? Pourquoi venir nous voir alors qu'hier, pendant ce soir, il n'a pas osé nous parler? Justement, il est venu, il préfère venir vous voir en personne. C'est bien, non? Justement, au contraire. Non, pas trop, non. Il nous a matraqué devant l'hôpital tout à l'heure. Non, ça va pas. Bah, vous allez lui-même poser des questions directement, d'accord? Il arrive. On l'attend, là. Parfait. Là, j'ai faim, là. Voilà. Okay. Vous avez matraqué comment pour cette menace? Question de procédure, monsieur. Question de sécurité. D'accord? Rien de... Il ne va rien se passer. Les autres en haut, là. On a des agents sur le... Il ne va rien se passer, d'accord? Juste le gouverneur veut vous parler. Il y a actuellement 05, 09. Eh ben, on est où le procureur, là? Le gouverneur, il arrive, je crois. Il est où? Un gouverneur, carrément. Oui. Aussi belle, Shakira. Il arrive, on le fait venir. Voilà, nos agents supplémentaires, ça on peut pas gérer le camion. Ouais, et ouais, c'est un convoi d'homme. C'est un convoi d'homme. Comme vous l'avez dit, capitaine, monsieur, c'est simple, on a le gouverneur avec nous, d'accord? Sécurité primordiale. Le concernant, il est plus généreux. Montez un peu là, parce que ça va partir en émeute. Aucune émeute, messieurs, vous inquiétez pas. Oui, bah de l'autre côté, on compte pas. Vous écoutez, hein? Bien sûr, ouais, Orlando, retourne le pardon, je suis pas baseball ici. Capitaine, vous voulez pas avancer un tout petit peu, qu'on mette la ligne bien trop bien avant? Si, si. Et on avance un petit peu, on fait une belle ligne derrière. Vous mettez au niveau de la montée, s'il vous plaît. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent pas qu'on passe? Si, 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 c'est juste qu'ils vous écoutent, ils veulent savoir, voilà. C'est pour ça que nous sommes ici. Très bien. Alors, on est fort, gouverneur, là, portez vos couilles un peu. Très bien, alors, vous m'entendez? Ouais, on vous entend, ouais. Très bien, alors déjà, bonjour, monsieur McTasty. Je n'en ai vu aucun à la mairie pour se recenser. Mais ce n'est pas un problème. Je viens pour vous dire, dans un premier temps, à vous, tous les habitants, tous les favelois, faveloises, que je suis de tout cœur avec vous. Qu'en cette crise et en cette misère, je peux comprendre que cela est compliqué pour vous. Et c'est pour cela que j'ai décidé de vous placer en ZP, alors que vous êtes une ZAR. En quoi, zone ça prioritaire. Je vais, dans un premier temps, vous donner des kilos et des kilos de viande, de pain et à boire pour que vous puissiez vous nourrir, nourrir vos enfants, vos mères malades, peut-être aussi vos pères ou vos oncles malades, même vos cousins malades, même vous peut-être qui êtes malades. Sachez que j'accorde un énorme respect aux favelas et je compte sur vous, je fais cette... petite offrande à vous pour vous demander de venir vous recenser. Voilà, le gouvernement est avec vous et n'est pas contre vous. Est-ce que vous êtes intéressé par la nourriture que je vous offre? Comptez nous acheter de la nourriture, monsieur le gouverneur. Négatif, tu nous as matraqué tout à l'heure, connard. Je compte nourrir des citoyens américains. Parce que oui, je vous vois comme des citoyens. Tapez 1 si vous pensez que ça va partir en couille. Toi, n'est que des immigrés, menteur. Vous nous avez dit de rentrer chez nous tout à l'heure devant l'hôpital. Écoutez, je fais un pas vers vous. J'attends à ce que vous fassiez un pas vers moi. Mais sachez une chose, si vous voulez la nourriture, les hamburgers, les hot dogs, les boissons, les hot dogs que j'ai préparées dans les camions derrière pour vous, il faut que vous acceptez de vous faire vacciner contre le sida. Et si après, on ne sera pas vacciné, hein.
On est contre le vaccin. Tout ça n'existe pas, le vaccin contre le sida. On a appelé des EMS, ils nous ont dit ça n'existe pas encore. Il existe dorénavant. Vaccinez-vous, oui. Nous avons trouvé le miracle. Que vous êtes vaccinés. Est-ce que les agents sont vaccinés derrière vous? Pas encore, vous venez essayer ça sur nous comme si on était de la bétail, là. Écoutez, si vous avez faim, il y a même de l'argent dans ces camions pour vous. Il y a même de l'argent, la somme de 5 000 $. Si vous voulez y accéder, par contre, c'est que pour les vacciner. Si vous n'êtes pas vacciné, alors vous restez là, à nous regarder dans le blanc des yeux. Moi, en fait, on ne va pas se vacciner, on n'a rien à foutre. C'est ça. Chut. J'ai prévu des projets pour vous. J'ai prévu de vous refermer un peu plus à la société, car je sais que vous aimez bien votre culture. Le mur va pas tarder à être construit autour des favelas. Quoi? Ne vous inquiétez pas. Tout sera mis en... Tout sera mis en évidence pour vous. Alors voilà, je vous laisse maintenant avec les agents de la NSPD jusqu'à 22h50 pour savoir qui veut se nourrir. Attendez, monsieur, on va se concerter entre nous, on va se reculer. Oui, je vous laisse du temps. Entre personnes qui habitent dans les favelas qui sont dans la galère. On va se concerter, on reviendra, bougez pas. Moi, je vous laisse le temps. Eh, monsieur, suivez-moi, monsieur. Les gens des favelas, c'est les autres. On va retourner à votre véhicule. Oui, je m'aime, il est trop fort. Bon, ça se passe à l'arrière, là. Restez là, ouais, je vais y avoir une minute qui arrive. Regardez la ligne, les agents, faites-moi une belle ligne. Regardez la belle, les femmes ici, elles sont belles, hein. Elles sont belles, vraiment, j'aime trop, même moi, j'aime trop. Ouais, moi aussi, Brésil, tout ça. Ouais, de Brésil, j'aime trop. Le Brésil. On a des gonzesses, elles sont KO, frère, j'ai trop l'aime. Petit côté sauvage, là. Mais dis quoi, Riz? Mais t'imagines, ils ont des bouts d'écasse. On a des gonzesses, elles sont KO. Ouais, les gars, surveillez, là, qu'ils nous balancent pas des pierres, là, au lieu de regarder les meufs, là. Ah, mais c'est vrai ou pas, capitaine? C'est vrai ou pas, capitaine? Franchement, c'est vrai ou pas, capitaine? Oui, mais c'est des choses qui arrivent. Nous, on est beaux. Voilà, c'est réel. Nous, on est des beaux gosses, ouais, les SPG. T'es un beau gosse de fort, en tout cas. Ma mère, je suis trop beau, frère. Les médecins sont arrivés? A mon avis, les vaccins, ça ne servira à rien, à mon avis. Hein. Je vois des gens qui mangent la dernière, non? Frère, je suis au moins 9 sur 10. C'est affirmatif. Mais le gouverneur va leur imposer ou juste leur proposer? Ouais, il propose. Ok. La gondée, c'est la plus belle qu'on ait dit. Elle a le visage brûlé, frère. Vous connaissez pas? Pas normal, faut qu'on recrute. Vous connaissez pas encore, c'est pour ça. Vous verrez plus tard. Tu connais ça? Mais c'est ouf, lui. Ça ressemble à tous les Swabi da Silva. Ah ouais, t'as raison. Comment ça, tous les Swabi da Silva? C'est une blague, ce que j'entends, là. C'est une blague de fou, là, ce qu'on parle. Bah ouais. Ils se ressemblent tous. Qu'est-ce qu'ils veulent créer? Après, c'est tout, ils sont dans le coin, hein. Même pas de chaussures, Spyo. On met des renforts, là, sur la route de Clétus. C'est quoi? Un supérieur du RFI pour monsieur le gouverneur, s'il vous plaît. 37, ramenez-moi le BSSO sur place, s'il vous plaît. Je répète, un supérieur du LSPD pour monsieur le gouverneur. Oui, j'arrive. Capitaine, allez-y. Ramène tous les chiens. Allez-y, capitaine, passez, allez-y. Oui, monsieur le gouverneur. Ouais, c'était pour vous dire que si le compte est refusé. Oui. Je compte sur vous pour bien me protéger. Hein, pour le bien refus. Évidemment, c'est pour ça qu'une ligne est effectuée, personne ne passe à cette ligne. Et surtout, il faut pas qu'ils volent les vaccins, c'est hyper important. Faudrait que les vaccins soient en sûreté un peu plus loin, du coup. Jamais. Hein. Ah, ils ont réfléchi. Allez, allez. Messieurs, mesdames. Oui, Shakira, dès qu'on te voit, Shakira. Tu me vois là? Oui. Je passe à la télé. Alors, mes petits agneaux, avez-vous réfléchi? Rise, Matt, c'est la gauche là avec le petit haut. Ouais, on a bien réfléchi, ouais. Oh bah c'est superbe. Est-ce que j'aurais dit si j'étais un fils de pute, monsieur le gouverneur? Ouais, voilà, ouais, on n'est pas des fils de pute, nous. Voilà du Brésil. Ouais, bande de fils de... Ouais, non, mais non. Alors, la nourriture va repartir. C'est pas grave, monsieur le gouverneur. On préfère garder nos valeurs qu'être de la bétail à vos yeux et tester un vaccin que personne d'entre vous là. On parle pas de le tester, le vaccin a été testé, vous n'avez aucun risque. Mais c'est pas vrai, pourquoi vous l'avez pas fait, vous et la police? Pourquoi nous? Parce que nous, on est propres. Oh! C'est quoi ça? Non, en fait, en fait, ce qui est. S'il vous plaît, stop, baissez. Alors, stop, s'il vous plaît. Vous baissez vos tasers, vous reculez encore un peu, s'il vous plaît. Monsieur le capitaine, on veut bien un peu accepter, mais là. Justement, ça part entre guillemets en cacahuète, on n'est pas là pour ça. Respecte-nous, le gouverneur! En papier ou en véhicule?
Monsieur le capitaine, vous trouvez ça normal? Alors, si le gouverneur est venu ici ce soir, c'est pour vous faire une proposition. Il l'a fait également au Lespidi. Si, justement, ça a été proposé au Lespidi. Certains ont accepté, d'autres ont refusé. Chacun est libre de penser. Qui est vacciné? Vas-y, levez le doigt. Moi, je me fais vacciner devant vous. Il y en a 2-3 qui ont été vaccinés. Vas-y, fais-toi vacciner devant nous, vas-y. Je me porte bien, vas-y, regarde. Je vais me vacciner. Après, sachez que c'est une proposition, vous pouvez refuser comme vous pouvez accepter, d'accord? Je veux le voir se faire vacciner. Couille, on veut le voir se faire vacciner et s'il se fait vacciner, peut-être qu'on se fait vacciner. Vous après, entendez, monsieur le gouverneur? Oui, regardez, le premier agent va se faire vacciner. Magnifique, regardez, bien. Reculez juste un tout petit peu, comme vaccine, ça il peut le médecin peut faire la place, s'il vous plaît. Sur ma mère, je suis trop une moula. Reculez au cas où s'il explose en vrai. Non, vous inquiétez pas. Attendez, regardez-vous. Reculez. Parlez fort, monsieur le médecin. Avant que vous le vacciniez, j'aimerais... S'il vous plaît, parce que je vois qu'il y a une caméra. Dire aux yeux aux Américains, regardez, vous pouvez vous faire soigner. Weekend it. Weekend doudou, pardon. Ouais, weekend doudou. Vous pouvez vous faire vacciner et puis... S'il vous plaît, plus fort, monsieur. Parle plus fort, le médecin. Parle plus fort, oui. Est-ce que vous m'entendez actuellement? Ouais, je t'entends bien là, vas-y. Oui. Monsieur le gouverneur nous a assuré que... putain de vaccin a été testé et puis était sûr pour vous, messieurs dames. Alors, je vais de ce fait vacciner ce monsieur qui est juste devant moi. Et puis, je crois qu'il va crever. Les pouvoirs peut-être. Vas-y, vaccine-le. Vas-y, on le regarde. Vas-y. Vas-y, puis. Arrête de parler avec ta voix suave. Je m'agenouille devant vous. Sur ma mère, vaccinez-moi avec plaisir, monsieur. Très bien. Je me sacrifie pour les favelas, alors qu'il m'a fait goûter du shit hier, j'ai croqué dedans. On voit pas de quoi il parle. Comment ça? Et en plus j'ai vu ils avaient une AK. C'est les effets. Il y a vraiment la fille au cas où ça prend quelqu'un avec les agents. C'est à cause du shit que j'avais du truc ou c'était pas à cause du shit? Aïe, putain les couilles. Ça va aller. Regardez-moi Orlando, regardez. C'est pas peur des aiguilles, d'accord? Ça va aller. Ça va aller, j'ai pris des aiguilles en fait. Ça va aller, ce n'est qu'une aiguille. Il tremble un peu. C'est bon, c'est fini. Il est pas serein. Ouais, c'est bon, c'est fini. C'est bon. Il y a la phobie des aiguilles, c'est pour ça. Du coup, je me redonne comme ça. Je veux faire une backup, venez en Lincoln. Du coup. Quoi? C'est quoi ça? Quoi? Il arrive quoi? Ouais, les gars, tout pareil, hein, courez. Il arrive quoi là? Ça doit être c'est quoi le bordel là? Il a peur des aiguilles, c'est normal. Il a peur des aiguilles. Tout va bien. Ça donne vachement envie. Il a juste peur des aiguilles, voilà, c'est sa phobie. Jamais vous allez nous toucher, on refuse. Vous pouvez faire demi-tour, merci de la proposition. Vous avez vu, il va bien. T'es en forme, là. T'as c'est les effets peut-être qu'il ne supportait pas. Je suis en forme. Faites en rencontre alors. J'ai testé sur un autre. Bien sûr, tout va bien, évidemment. Et c'est comment il s'appelle? Ah, chaud, là. Mais... Il s'appelle Orlando. C'est mon père là-bas. Comment est-ce que tu te sens, Orlando? Il hallucine complètement. Il a quoi? Il a quoi? Il met de la vie, on peut se vacciner là. Il est transsensible. Il se transforme. Il est sensible. C'est la sensibilité, ça va. Il est sensible, vous inquiétez pas. Reculez juste derrière les agents, s'il vous plaît, M. Gouverneur. Il est fragile. Bon, bah écoutez, il a du mal à supporter le vaccin, c'est pas de ma faute. Ah, mais c'est de la proposition, jamais, on a l'obligation de refuser. On refuse la proposition. Allez, vous faire enculer avec votre piqûre de merde. Merci, c'est gentil. Hein. Oh, mes bras. Merci d'avoir pensé à nous. C'est bon. Ça va, Orlando? Arrête la comédie, non, là. Jamais, là. Orlando, comment vous vous sentez? Je suis une moula, ça va, mais mieux, je suis un nouvel homme. Vous êtes un nouvel homme? Non, attendez, je vais garder mon code. Non, vaccin. Non. Dis-leur que tu mais es un nouvel homme. Il sera dans sa cape, vous le verrez. Parce que vous. En tout cas, merci de la proposition. Oh, mais ça va. Ça va trop bien, une veste sur mon frère. Tout ça avec moi. Écoutez-moi, chers favelois, faveloises. Vous avez maintenant 24 heures. Parce que si vous voulez rester sur le sol américain, il vous faudra passer par ce vaccin. C'est une obligation. Mais attends, les flics, ils ont refusé, ils ont dit. Vous êtes impurs. Le vaccin vous permettra... Quoi ?
Recule, reculez, monsieur le gouverneur, reculez, monsieur le gouverneur, reculez. 24 heures, je dis bien 24 heures, pour vous faire recenser. Et le vaccin sera obligatoire. Reculez, 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 il y a les agents de la LSPD pour ça. Il y a les agents de la LSPD pour ça. J'ai reçu un calou! Les médecins enculés là! Oh quoi? Ah, j'ai reçu un calou! Ah, on t'embrasse là, on t'embrasse! Allez-y les agents! Oh là là! Oh là là! Oh mon dieu! Oh mon dieu! C'est parti! Oh, super! Vous êtes insupportable! Vous êtes insupportable! Ça va, monsieur le gouverneur? J'ai pris un caillou. Oh merde, je suis vraiment désolé pour vous. On attend que la situation se calme. Les agents sont en train de les neutraliser, là, sont en train de s'en occuper, d'accord? On attend que ça se calme, on reprend. Oui, bien sûr. Restez bien dans votre voiture en attendant. Bon, super. Vous voulez qu'on vous escorte pour votre demi-tour, bien évidemment? Monsieur, une fois neutralisé, vous voulez limiter ses réflexes sur le côté. Pas besoin de les taper au sol. Voilà. Voilà. C'est quoi ça? Écoutez, il voudrait mieux de rentrer chez soi. C'est pas vrai que vous rentrez chez vous, oui, exactement. Vacciner les gens de force, mais on est où là? Rentrez dans vos maisons, s'il vous plaît, messieurs. Attention, ne rentre pas dans les dernières maisons tout seul. Il m'arrive quoi? Super. Très bien, aux agents, vous ne rentrez pas dans leur maison et ceux que vous avez, vous les ramenez, vous ne les frappez pas au sol. Voilà. Vous les ramenez au niveau des véhicules pour les, afin de les amender, vous leur mettez des serfex. Allez, revenez tous là, s'il vous plaît. Là, non, moi j'ai fait complètement confiance. Je vais pas de confiance, s'il vous plaît, monsieur. Allez, s'il vous plaît. Je fais pas confiance à monsieur le gouverneur. Mettez le monsieur, t'as le droit. Mettez sur le côté, position en PLS. Là, tenez, je vous mets en PLS. Vérifiez la langue, vérifiez la langue qui la valent pas. Tenez, s'il vous plaît, je traite la langue avec son bic. Restez avec nous, s'il vous plaît, évitez les médias, là, tombez pas avec moi maintenant. Allez, monsieur, reste avec allez, nous. Allez, 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 allez. Vous m'entendez, monsieur, ou pas, monsieur? Allez, bois, bois, ouais. Allez, serrez la main, monsieur. Serrez-moi la main. Non, mais genre, tu peux pas. Franchement, vous arrivez à respirer. Fabio. Non, mais je te jure que tu peux pas respirer. Voilà, incroyable ça. Tenez, buvez du vin, monsieur. Ils sont en train de forcer les gens qui sont au sol à se faire vacciner, vous êtes des malades. Ah non, nous, ça nous a parlé d'amender. Mais non, c'est extrêmement. Buvez un peu d'eau, monsieur. Non, les amants. Mais non, ils nous ont piqué de force. C'est quoi cette police? Je lui ai vacciné le vaccin. Attends, de... petit frère là, ils viennent me vacciner de force. Ils m'ont piqué au sol les médecins. N'écoutez pas les bandits. Comment vous sentez, monsieur? Comment ça, n'écoutez pas les bandits, monsieur l'agent? Ils viennent me piquer devant tout le monde. Il avait des convulsions il n'y a pas plus de 45 secondes. C'est une minute. Normal, c'est des effets indésirables du vaccin, ça arrive. Mais je voulais pas être vacciné. Mais si, vous l'avez accepté, monsieur, arrêtez. Félicitations, vous êtes vacciné, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, évitez de mentir. Oh, mais c'est soit, arrêtez de m'attraquer aussi là. L'esprit, c'est pareil. Descendez maintenant. Allez, on se regroupe tous en bas là, allez, laissez allez, les mains. Ils ont été neutralisés, ça sert à rien de les acharner sur eux. Les gangsters, que vous arrêtez s'il vous plaît. On vous demande quelque chose, vous les ramenez au niveau des véhicules et vous les amendez, merci. Le nouveau décret du gouvernement est le suivant. Sans vaccin, malheureusement, l'accès à San Andreas et Lille en sud sera donc interdit. Oui, un téléphone là. Sans être recensé ni être vacciné, vous serez donc prohibé de l'issue de Los Santos. Mais vous, vous avez refusé d'être vacciné, pourquoi vous n'êtes pas prohibé? Monsieur, comme l'a dit et stipulé le gouverneur, votre état de santé à vous et les personnes de ce quartier sont mais assez... Très bien, je suis footballeur professionnel. Oui, vous, d'accord, mais les membres de votre quartier sont... Mais pourquoi pas piquer moi alors? Parce que vous êtes issu d'un quartier défavorisé, vous vivez avec des gens qui... En fait, l'hygiène de vie n'est pas appropriée, malheureusement. J'ai la tête qui tourne, moi. C'est normal, monsieur. Pensez à bien vous hydrater, ça va passer. Comment ça, monsieur le médecin? Ma tête. Mais du coup, je peux prendre les 5 000 $ et la nourriture, du coup? C'est laquelle ma meuf, là? Du coup, messieurs, ça va être simple, d'accord? Là, pour le moment, du coup, vu de la situation qui a dégénéré, on a dû malheureusement repropiler bagage. Ta meuf, elle est belle. Donc, si vous souhaitez tous ici présents vous faire vacciner, vous faire recenser, vous nos postes de police de Michonneau, d'accord? Non, faut pas le faire, regardez comment je me sens trop mal là.
En ligne, s'il vous plaît, monsieur. Écoutez, on va pas rester ici une demi-heure, on va pas risquer de créer une émeute, on va y aller, d'accord? On va vous laisser. Je vais boire un truc là. Les premières et dernières fois que vous entrez dans le département de police. Non, on va y aller, 48. Allez, les gars, on véhicule et on y va. Oh ma tête. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Ils m'ont vacciné de force et commencé à convulser, m'évanouir. Oh ma tête. Au revoir, les puceaux. Allez, tous en voiture, on décampe. La prochaine fois que vous viendrez, vous mourrez. Qui c'est qui parle là? 0-5-3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 -
Monsieur les médecins, ça va être trop dangereux ici là, messieurs les médecins. Mais teste tout quand même au moins, voilà quoi. Ouais, ouais, je vais tout essayer, T'as plus Fallo, elle a pas changé, on est d'accord. Si, je crois, mais regarde si c'est bien le cas. Cassez-vous là. Allez, 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 monte dans le véhicule. Ils iront à l'hôpital, allez. Non. Cassez-vous là, bande d'enfoirés. Cassez-vous là. Allez. Eh, dégagez de mon véhicule là. Oh, oh, oh. Vas-y, cassez-vous, cassez-vous. Oh, circulez de mon véhicule là. Oui, oui, on s'en va. On est avec les médecins là. De con, grand-mère. Mais ils ont pris un Il est où le médecin? Il y a un DMS, hein? Non, bah on re-rentre, hein. L'arme létale pour tout le monde, hein! Mon étal! On fait tout en place, arme létale, on va essayer de prendre un. Faites des belles colonnes là, s'il vous plaît! Colonne! T'as passé Radio 1, BCSO sur place! Aïe! Chopez-le, les gars, chopez le sautier, chopez le cible, les masqués! On s'arrête, le jeune! S'il vous plaît, arrêtez de tous courir! Le monocle! Non, mais non! Progresse, on cherche le médecin, on les arrête tous là. Si vous en avez chopé un, vous reculez et vous l'amenez dans la rue. On les arrête tous. J'ai rien fait. Deux colonnes, messieurs, comme on a demandé. Arrête-toi. Jeune homme. Arrête-toi. Putain, je cherche une pierre de la gueule. Ah putain, vas-y, là, c'est bâtard, il y a des briques là. Attention, sur vos crânes. Attention, les collègues. Sur vos têtes. 48. Faites attention, regardez en haut. Rentrez chez vous, la porte de la bâtiment. Je ne veux. Écoutez-moi tous. Je ne veux personne solo, d'accord? On avance en équipe. T'as reçu. Fais gaffe au-dessus. Interpellation ensemble. Midi, mon cousin répond pas au téléphone. Hein. On ne repartira pas tant qu'on n'a pas le médecin. Bien sûr. C'est reçu. Ok, non, mais ça. Je prends à droite une équipe avec moi. Je suis 04. Allez-y, stop. Voilà, assez avec les 3 du BCSO. Ça rien d'être 10 000. Je coupe l'arrière. On continue. Vas-y, on coupe l'arrière. Allez, on va le retrouver ce médecin, on va le retrouver. Comment ça s'appelle ce médecin, vous savez ou pas? Arès, c'est le directeur. Bah, forcément, ils ont pris le plus gros grade. Directeur, putain. Ça va, tout le monde, ils arrivent en cross et je sais pas, ils sont dingues. Aïa, aïa. Une force dessus ou quoi? Ça va, tu vas bien? Ah bon, je tire. Hein. Ah, moi aussi, je vais bien. Ouais, si y'a un gars qui arrive en couteau. On a toujours des unités au niveau du pays. Toujours aussi belle, en tout cas, ça fait plaisir. 4. Et mes soldats, on a des véhicules qui ont pris la fuite en haut des favelas, du coup, direction barrage. Deux motocross occupés deux fois chacune. Aucun visuel sur le médecin pour l'instant. Je peux m'y rendre si vous voulez. Ouais, tout. Est-ce que, sans doute, vous pouvez me sortir un ASD, vous me faites un survoler tous les favelas, s'il vous plaît? 10-4. Elle est où, là? Y'a un 3 sur le nom? Non, y'a pas toi. Ah, y'a pas? Ah, ok. Ok, j'ai une moto au niveau de derrière le convoi. J'y compte bien. Et bien les toits. Hein. Putain, on ferait un beau coup quand même. Pourquoi non? Pour moi, capitaine, ce qu'on peut faire, c'est que dès qu'on arrive tout en haut, on se split une colonne qui va à droite, une colonne qui va à gauche pour redescendre, pour checker l'arrière. Bien sûr. Alors, on arrive au bout là? On arrive au bout. Ouais. Ok. Vous avez écouté 37. Une équipe à droite, une équipe à gauche. Exactement. On va faire le tour, mais dans l'autre sens. Voiture plein sud, voiture plein sud. 04, vous pouvez nous rejoindre là sur l'escalier où on est parti. 48, vous prenez le lead de la colonne de droite, s'il vous plaît. Allez, allez, approche pas. Après, parce que avec moi, c'est décidé. Ok, messieurs, dames. C'est des avec moi. Droite, voilà, go droite. Ah oui, bah vas-y, on prend. Oh, oh, vous m'écoutez ou quoi là? 48, quand je vous dis, vous prenez la colonne de droite, vous allez à droite, s'il vous plaît. Et vous, arrêtez de draguer si vous voulez pas, je vous coupe la table. Ah oui, merde, pardon. Oui. Et moi je garde la fin, je ferme. Ok. Ok, reste jusqu'au bout, on se split en deux colonnes, une côté est, une côté ouest, et on redescend. Checker toutes les petites ruelles, les petits balcons, les petites entrées d'enfoncement. Cliquez par la capitaine. On va redescendre, c'est pas grave. On est à droite. Allez, on redescend, c'est pas grave. Allo? Allo? Je sais pas, un ancien PDP, je pense, je suppose. Quoi? Les gars, suivez-moi. Je cherchais un ASD ancien PDP, genre? Bah non, on a... enfin, je pensais qu'il y en avait au poste, quoi. Bah en fait, on n'a pas accès au toit au poste. Ah! Et ouais. Ok. Ou je pourrais trouver un ASD sinon? Bah allez, c'est pas grave, t'inquiète trop bien sur place. Ok. Bah je vais passer par derrière au pire. Vas-y. Je vais arriver de l'autre côté. Okay.
Très bien, on colonne de droite, du coup on a une vue sur les toits pour le moment, on voit pas non. Ça derrière. Aussi pour ma colonne. Quelqu'un dans le buisson, voilà. Non mais oh! Non mais y'a quelqu'un dans le. C'est terrible hein! Faut oh, passer par la gauche. Faut passer par la gauche. Vous avez quelque chose 04? Négatif 10-5, pour l'instant on a rien sur celui 35. J'ai les agents qui sont avec vous en couvre Riz au cas où. Vous voyez quelque chose Riz? Je cherche. Les gars, est-ce que donc tous les mecs qu'on a interpellés pour l'instant ils vont tous au poste de police tant qu'on n'a pas récupéré le docteur hein. Essayez de trouver un protagoniste, un chef du quartier ou un représentant là. J'ai une backup du directeur de l'hôpital. 4 oh. Pour capitaine, il y a du monde sur les toits au niveau du nord-ouest. Regarde bien ça, allez, regarde bien. C'est le Lespidi, on est sur les toits actuellement. On se met ensemble, d'accord? Non. Regarde, c'est quasiment impossible. Alors les gars, pour tous les calls qui disent qu'il y a des gens sur les toits, c'est normal, on est dans un quartier, d'accord? Il y a du monde partout. On est chargé, il y a des gens. Aïe! C'est des gens qui se camouflent, qui se camouflent derrière des murets. Du coup, 37 à la gauche, je viens d'avoir une backup du directeur de l'hôpital, on va se rendre sur la backup. Il y a eu un appel de personnel à état critique aussi sur ça. Sur vous! Comment je fais pour descendre moi? 4 à tous les agents, on retourne le véhicule s'il vous plaît. 10-4. Ok là non? On a interpellé un individu qui sortait en courant des favelas. Bien pris. Bonsoir. Ah mais je suis perdu de fou là. Comment on monte ici là? Capitaine, est-ce que le médecin a été libéré? On a besoin de votre information. J'ai pas l'info moi, je suis redescendu. On a une backup, on s'y rend pour l'instant. C'est un labyrinthe. Parfait, donc pour le moment, RAS. Non mais c'est terrible hein. C'est bon, on a le médecin, il est à terre. On a récupéré deux individus à terre. Trois, pardon. Attention capitaine. Oui, il y a un individu ici. Bonsoir. Bienvenue. Au sol aussi côté nord des favelas. Une backup, j'arrive. C'est bon, on l'a récupéré. Il était juste tombé du toit apparemment. Capitaine, là, ouais. Cette voiture là, la Explorer Ofi 2 là, elle est incroyable. Ouais, t'aimes bien? Bah en fait les virages elle, elle va pas trop vite mais les virages et tout en ville c'est incroyable. Bah le Explorer je crois qu'il a le même, pas l'autre Explorer il est c'est le même. Mais je sais pas si faut que tu testes bien, hein. Ouais il est stable hein. Faut pas qu'il soit non plus trop cheat en termes de VMAX tu vois. Non il est équilibré voilà, quoi. Ok carré. Topo situation s'il vous plaît Harper. Les individus sont dans les vapes mais il y a du coup. Ok on va devoir les ramener au centre et les ramener au prison. Où d'accord. Je vais vous dire un truc, d'accord? Je suis bien pris dans votre quartier, il y a beaucoup de monde dans votre quartier, c'est simple. Quand on va venir ici, on va tout fouiller. Donc, prochain délit qu'on voit chez vous dans votre quartier, ça sera, je préviens, ça va être en grande filature et on va tout chercher. Tout fouiller. Oui, l'agent. Oui, chef. C'est bon pour vous? Oui, chef. Donc, maintenant, c'est simple. On va vous prendre en photo, tous un par un. Vous allez donner votre nom.
On va vous référencer. Et le prochain qu'on voit en train de faire un délit, il aura affaire à nous. C'est bon pour vous? Allez, super, on commence par vous devant moi là. Tournez-vous. Je vais prendre la photo. J'ai besoin d'un véhicule pour transporter 37. On va ramener au centre là pour l'instant, on est vraiment dans un tout petit recoin des favelas. Pas de prénom, pas de prénom. Fabio comment? Sylvain. Le prénom de merde. Orlando, on s'en passera. Il y a mon avocate qui m'appelle, je peux lui répondre monsieur? Je suis au téléphone. Tu as pas d'avocat toi, tu as pas. Madame l'avocate. Range ton téléphone. Allô. Je suis avec les flics là, madame l'avocate, vous pouvez venir aux favelas là? Et madame l'avocate, ils sont en train de nous arrêter, de nous prendre en photo, de nous maltraiter, de nous frapper là. Son avocat c'est Mark Simpson. C'est Templo. Hop 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 hop, je suis pas où comme ça, mon ami. On te regarde, on fait quoi, on décampe? Je m'arrête, je m'arrête. Pour l'instant, oui, vous pouvez décamper. Allez, tu passes le mur et tu verras rejoindre tes collègues là-bas. On va mettre le convoi en parlant 5 minutes. Ok, pas de soucis, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu suis les collègues. Vous le mettez sur le mur avec les autres, s'il vous plaît. C'est bon, c'est reçu. Magnifique. Enlève ton masque, enlève ton masque. Enlève ton masque. Et avance, c'est bon. Ils sont pas contents de ce qu'on vient de faire. Comment on descend ici, là? Guide, Samuel. Ah, mais c'est un labyrinthe, hein, ici. Oh non. Oh, je suis perdu. Le chat, aidez-moi, je suis perdu. Oh non. Captain, vous êtes où là? Je suis perdu dans les favelas là. Les problèmes de bande de backup. C'est tous en bas, capitaine. Vous avez besoin que je vienne chercher? Bah, je suis coincé sous des escaliers en fait. Si là. Je suis coincé! Je suis coincé! On est comme dans 2 minutes. Oui, allez, écoute. On a un agent qui est rentré dans les favelas qui ne répond plus au téléphone. La radio. Bah, retrouvez-le. Je suis coincé! Un 10-4, on appelle du renfort de notre côté. Ok, tout le LSPD qui est en bas. Okay, au secours! Une backup, il faut que vous vous occupiez de protéger les médecins. A tout moment, ça repart en charge. Au secours! Un arc de cercle autour des médecins, s'il vous plaît. L'étal en main, messieurs, dames, ça vient sur vous en courant, vous faites des sommations en l'air. Tu passes vérifier? Oh, en vrai, tu peux les clier? Là, tu passes par là? Je suis coincé, au secours! Je suis coincé! Je suis coincé, au secours! Vous êtes où la BCSO qui était avec nous là, dans les favelas? Je suis coincé en dessous des escaliers! Ben, c'est où? Allez, on décampe, s'il vous plaît, on se prépare à décamper là. Allez, tenez-lui la main là, coopérez un petit peu les jeunes. Merde. Ah, je vais aller le chercher. Est-ce que vous voyez ma main? On a deux shérifs qui viennent de sortir d'une maison. Je suis coincé en dessous. Allez-y, allez-y. Allez, les gars, s'il vous plaît, on prie plus d'opération, on se prépare à expliquer, c'est trop bon. Venez, venez. Allez, nickel. On va à côté de vos voitures là, comme à l'aller. Et on part, voilà, là dans 30 secondes on part. Merci Orlando. Si dans 30 secondes vous êtes pas en place prêt à partir, et bah tant pis, vous resterez ici, vous resterez habité ici, et en plus vous prendrez un blâme. Donc alors, dépêchez-vous, il reste plus que 20 secondes, donc je vous dis ma phrase. Attendez, c'est bon, allez, en voiture, en voiture, on se dépêche. Ouais. Et mort le capitaine arrive. C'est bon, c'est bon, je suis là. Et récupérer le capitaine. Capitaine avec ça, il fait ce qu'il veut là, je parle aux autres. Marston, si jamais là-haut. On atterrisse, tout le monde reprend sa place sur le convoi, on repart comme si on était sur le convoi. On va monter dans le véhicule derrière. Merci 7-8. Mettez-vous en position, on sécurise juste. Vas-y, toi! Ouais, c'est bon, je suis là. On se casse, on se casse. On dépêche! Il est 0-4. Dans un 4, dans un Explorer. 3! Explorer 4. 2! 1! Il est pas en place là. Monte dans la voiture. Et on avance. On avance, retour PDP. Mais avance. Flint. J'ai pris des coups de matraque. D'accord, dépêche-toi. Pierre, c'est bon pour vous? Ouais, c'est bon, actuellement on décampe nous hein. Parfait, nickel. Et